Hello à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous entendez les petits accents qu'il y a autour de moi? Ah oui. Vous entendez ou pas? Il y a un accent qui chante. Aslem. Aslem, comment on dit? Parce que ce soir, c'est Brésil-Tunisie au Parc des Princes. Match amical, mais match haut en couleur avec deux équipes qui seront à la Coupe du Monde. Et franchement, ça fait plaisir. Donc on est venu ce soir, évidemment, un peu supporter la Tunisie. Ils sont là. Ouais. Ça fait plaisir. Vive la Tunisie, hein. Vive la Tunisie. Là, tout le monde est rentré au stade, donc on va rentrer nous aussi. Parce qu'il y avait une très belle ambiance d'ailleurs dehors. Beaucoup plus de drapeaux tunisiens, évidemment, il y en a des tonnes, il y en a partout, ça fait grave plaisir. On espère que ce soir, la Tunisie va faire bonne figure face au Brésil. On sait que le Brésil, c'est un archi favori de la Coupe du Monde, mais on sait jamais, il faut jouer, il faut être décomplexé, donc on verra bien. Bon match à tous, on espère des buts, je vais tout vous filmer comme d'habitude. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Bon les amis, il y a le stade qui se remplit petit à petit, mais je sens qu'il va y avoir une ambiance. Erisa. Vraiment, là il y a l'entrée des gardiens. Thank you.
Molo Molo. Molo Molo. On verra, on verra. Ouais, je sais qu'on va prendre le premier pas. Ouais, tu prends le premier contre le Brésil après ça. Non, ah non, bien sûr, on va gagner. Voilà. Ah non. 10 premières minutes, les gars, pour l'instant ça tient. Ça tient, mais le Brésil, on le voit, ils sont encore à 30%. Mais ça tient. Donc à 10.
10 contre 11 contre ce Brésil-là, sachant qu'ils n'ont pas encore fait leur changement. De leur côté, ça va être vraiment chaud. Ça va être très chaud. 4-1, 44 minutes. Deuxième mi-temps, 10 contre 11, 4-1. C'est reparti. Maintenant, les buts côté Brésil, c'est juste devant moi. Donc, je les aurai en HD parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ce week-end pour Laval Bordeaux et on se retrouve mardi prochain pour la Ligue des Champions.